Salut à tous et bienvenue trader et tradeuse, j'espère que vous faites beaucoup d'argent parce que moi j'en perds pas mal. Bon, aujourd'hui une perte de 200 euros, je voudrais revenir sur deux ordres et deux positions vertes qui avaient des stop loss aux alentours de 1 à 3 euros et sur lesquelles j'ai carrément enlevé les stop loss car c'était un peu bête de perdre l'action à la revendre à si peu cher quoi. J'ai préféré essayer de la détenir complètement. Donc voilà, je vous le dirai dès qu'on arrivera dessus lesquelles j'ai fait ça. Alors on commence l'analyse avec Visa. Alors Visa, je rappelle que on a une nouvelle open. J'ai pris ma perte à 155 et une nouvelle open à 110, très basse. Bon, ça monte. Aïe aïe aïe, peut-être que je vais rater le bâton, on verra bien. Moi je pense, enfin voilà, j'ai mis mes open un peu plus basses, comme ça chuté. 130 le stop loss à McDo, donc ça a été rasé. Vinci, on est sur un stop loss à 53. 55, ça a rasé, mais ça a l'air de repartir à la hausse, tant mieux. Avec de la chance, je vais bien m'en sortir. Total 30 à 20 stop loss. Donc là, ça a rasé aussi. 23,7. Je rappelle le baril de pétrole qui a énormément chuté au niveau du prix. L'euro dollar, je rappelle, quand il chute, c'est bon pour vous si vous avez des actions américaines. Parce que vos dollars vaut plus d'euros, tout simplement. Donc là, c'est pas mal. C'est cool. Je vais pas en acheter ni en vendre. J'aurais pu, quand c'était vers les 1,14, en vendre. Du coup, me faire un peu d'argent. Mais dommage, on l'a pas fait. Tant pis. L'Ord. Ok. Valeur refuge. Estox. Tranquillement, je regarde un peu si c'est pas là, si c'est là, les actions, mais c'est pas du tout. Donc 2600 l'open, donc ça va, le stop loss à 1900, on est tranquille. Là, ça a l'air de partir bien l'économie, mais bon, souvent ça remonte pour que les gens, boum, ils revendent. Bah, bref, avec le coronavirus, on est sûr de rien, faites attention sur les marchés, ils sont très volatiles. Donc là, pardon, Ferrari, j'ai mon stop loss à 110, ça a été open à 135, donc pas mal. 138, nickel, on en gagne. Walt Disney, pardon. Oh purée, je fais n'importe quoi. Ça, c'est parce que j'ai appris que j'étais au chômage technique. Alors, c'est youhou dans ma tête, ça fait un peu n'importe quoi. Donc là, j'ai eu l'open à 80 qui n'a pas été confirmé, Walt Disney. Dommage, Apple qui a dû repartir à la hausse. Mais est-ce que mon stop loss a été touché? J'espère pas. Ouh, 238, c'était à 225 mon stop loss. Donc, on sait pas dans les prochains jours. Coca-Cola, je pense pas avoir eu mon open. Ça a dû repartir à la hausse aussi. J'ai mis une open à 30. Ouais, c'est reparti bien à la hausse. Facebook, ça a dû repartir à la hausse et ça c'est bien parce que je suis positionné dessus, 140 le stop loss. Ah non, il était atteint pile. Oh purée, bon ben c'est comme ça, je vais mettre une nouvelle ouverture pour Facebook. Un ordre, alors, ordre, l'open je la mets à 100, on va être ambitieux dans la vie. 260 le take profit, donc ça fait 160,80, du coup 20 le stop loss. Ouais, ce genre de choses que je pense je vais pas mettre de stop loss. Du coup, il faut que j'augmente de 40, je mets à 300 le take profit, stop loss 0. Je vais commencer à vraiment détenir les positions et ne plus perdre d'argent. Après, sans Facebook, c'est un peu tôt peut-être pour faire ça. Tant pis, je le fais comme ça, je le sens à peu près comme ça. Donc je rappelle, open à 100, take profit 300, stop loss, il n'y en a pas. On détient Facebook, si ça atteint, bim, on se met bien. Alors là, j'ai une open à 3000 qui n'a pas été confirmée du tout. Ok, c'est en train de repartir à la hausse. 100 mois, bordel. Ça, c'est le défaut de ma stratégie. Si ça part sans moins, ça part sans moins. 63 stop loss. Donc après, ça, voilà, j'ai open à 82. Pas ouf, mais ça repart un peu à la hausse. Twitter, est-ce que j'ai mon open à 20? J'ai été vraiment niveau bas. Stop loss à 10. Donc là, on laisse le stop loss. Pardon, c'est NSY. Voilà, NYSE. Oh, 20, 23. Donc pas loin, ça peut être pas mal. Snap, j'ai dû prendre ma perte. Elle était à 8, ce qui est pas foufou. 8, 20, on a eu chaud. ERJPI, on arrive un peu sur les devises, donc là je rappelle, c'est si ça descend, si vous avez des actions sur le marché asiatique, ça va bien pour vous, tout simplement. Si ça monte, ça va pas bien pour vos actions asiatiques. Donc ERJPP, pareil pour ce qui est de Londres, enfin Grande-Bretagne, tout ça. Hugo Boss, on passe. Est-ce que j'ai mon open? Oui, elle a été confirmée à 30, j'espère que c'est reparti à la hausse. Aïe, ça a chuté de fou, 23, j'ai pris mon stop loss, d'accord. Par contre, là, je commence à... On va la détenir, celle-là aussi, je pense. L'ordre, Hugo Boss, 2 secondes. Je vais essayer d'adapter, pas comme avec Facebook, je vais mettre une open plus basse, quitte à la rater. Donc là, on est à 22, 23, je vais la mettre à 13, 13 l'open. Donc take profit, on le laisse, faudrait pas que je sois trop bas non plus, non, je vais tout changer. 45, faut que je calcule bien, tout simplement. Si je le mets à... 15, 15, ça fait 30, 30, 15, parfait en fait, 15, c'est ça, 15, stop loss, il n'y en a pas. Donc Hugo Boss open à 15,
profit 45 et stop loss, on n'en met pas. On la détiendra si ça continue à chuter. GoPro, j'ai pris ma perte, je l'ai vu hier soir, après la chute des actions du marché américain. Donc c'était pile mon stop loss à 2. Pas ouf. GoPro, on va essayer de la détenir aussi, ça m'étonnerait, mais bon, je mets un ordre à 1. Take profit, on le laisse à 4,5. Stop loss, il n'y en a pas. Tout simplement. On va commencer à tout détenir. Si ça continue à chuter, mais il paraît qu'ils vont fermer les marchés. J'espère pas. Parce qu'ils pourraient jouer sur un réajustement et monter sans que je gagne d'argent. Là, je serais bien dégoûté, ça je vous le dis. Donc Netflix qui repart à la hausse. On s'est positionné à 300. Bon, il y a mieux à faire à 290, mais ça va. Veolia, j'ai une open à 14. J'espère qu'elle a été confirmée. 16, aïe, parce que ouais, il y a quand même un stop loss à 6. C'est dommage. Je pourrais baisser l'open Veolia et pas mettre de stop loss, mais je le fais pas, c'est déjà fait, tant pis, c'est déjà tout programmé. Donc là j'ai open à 4,2, donc est-ce qu'elle a été confirmée? Non, elle n'a pas été confirmée, mince, elle n'a pas été atteinte. Tant pis. Société Générale, est-ce que ça a été atteint? Je l'ai mis très bas, ça, 11, ça m'étonnerait. 14,2, ça s'en approche, mais bon. Porsche. Alors Porsche, j'ai open à 30, aïe, 30,4. Société Générale, c'est un ordre que j'ai changé et que j'ai mis 0 stop loss, que j'oublie pas de vous le dire. Ouais, Porsche, dommage, je pourrais mettre sans stop loss aussi. Je vais le réajuster. Non, non, je peux pas réajuster, de toute façon c'est trop. 10, c'est beaucoup trop, ça me changerait mon argent. Donc 50 l'open à Manpower, pas atteint du tout. Marvel, on a une position à 15, stop loss 8. Je peux pas encore me permettre de pas mettre de stop loss. Je peux pas mettre ça partout, même si j'ai envie de détenir le monde à fond. Faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'ambitionne bien. Détenir les actions comme ça, sûr que c'est les miennes. Ça, c'est assez rare vu le prix des actions. À moins qu'on soit très très riche, évidemment. Geek, qui était assez bas. Dis-moi que j'ai mon open 45. Aïe, elle est rasée. Air France KLM, j'ai mis une open assez basse. Non, je suis en position dessus. Aïe, 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 ça a dû chuter. Ouh, c'est remonté. Je rappelle, 5,8 open, 3,3 le stop loss, 3,3. 3,3, ouais. Philippe Maurice, open à 60. Aïe, ouais, je ne m'attendais pas à la voir open. Nike, une open à 50. Je suis vraiment... j'ai tout baissé. En majorité, après, j'ai des positions encore ouvertes. Si ça repart sans moi, j'aurai quand même d'autres positions qui me feront gagner. Mais bon, c'est vrai que ça ferait plaisir que tous open. Là, 140 le stop loss, donc ça va encore. Activision, 45, mais ça chute pas trop Activision. Et ouais, ça monte même de 4%. 45 l'open, ça peut être atteint, c'est à 50. Ubisoft, j'ai mis une open à 45 aussi, mais ça m'étonnerait, ouais. Plus 10%. Le jeu vidéo qui est en train de bien marcher, par contre. Renault, qui sont... Ils sont pas fermés. Du coup, j'ai open à 17, je rappelle. Et stop loss, il n'y en a pas. Voilà, stop loss Renault, c'était à 3, je l'ai enlevé, il n'y en a pas. On détient notre action Renault, là. Ça, c'est pas mal. Puma, 52 l'open. Yeah, ça a été confirmé. 38 le stop loss, pas loin, du coup. On s'approche de tout détenir si ça continue à chuter. Donc là, ça devrait se mettre bien, à part s'ils ferment les marchés et qu'ils font un réajustement, je vous dis. Sinon, on est bien. Franchement... À moins que ça rase toutes mes open, que ça prenne des stop loss et que j'arrive pas à open et que ça remonte. Oula, c'est pas improbable. 61 le stop loss, tranquille. Herbalife. Herbalife 17 l'open. Ah, patin. Et là, stop loss, j'ai mis aucun. Herbalife aussi. Si c'est open à 17, on la détient. IB, j'ai rien mis du tout. Et ça chute pas, ça monte pas. EDF, j'ai sûrement ma perte. Elle est à 7,5. Ouais, 7,4 pile. Bon, on va mettre une nouvelle ordre. EDF. Je crois qu'on peut le détenir. C'est à 7,5. Take profit à 15. Si je le mets à 5, ça fait 10. Et ouais, il faut que je mette open à 5. Open à 5. Take profit 15. Stop loss, il n'y en a pas. Voilà. Après, il y aura un peu de chance à part si ça se réécroule. EasyJet, pareil. J'ai la position ouverte et j'ai pas de stop loss. Elle est open à 650, je rappelle. Donc ça va. Et là, à part si l'entreprise fait faillite, je peux pas perdre d'argent. Donc ça, c'est cool. Open à 50, donc toujours pas. Casino, il paraît que ça monte tout ça. Carrefour, Casino, j'ai open à 28. Elle a pas été confirmée. Ah, je rate le bateau, quoi. Elle repart à 35. Truc de fou. Oh, firé. Bon, j'ai pas eu l'open à Casino. Canon, sûrement chuté encore. Oula, je vais pas écrire Canon, moi. Ok. Ok, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Alors là, ok, c'est bon.
17, toujours pas eu l'open, stop loss 12, Carrefour. Par contre, celle-là, je l'ai vue assez open et elle est en positif. 13, j'ai eu l'open, donc 14-3, bof. 17 take profit, je suis vraiment pas très ambitieux là, hein. 17, c'est moyen un peu. BMW, open à 40, yes, elle a été confirmée, stop loss 25, on est tranquille. Amazon, la dernière action. Après, c'est fini, les amis. Donc là, 1800, yes, c'est reparti à l'os. Ça avait rasé mon stop loss à 1600 et quelques. Je rappelle, 1900 l'open, 1600 stop loss. Mais ça, c'est nickel, Amazon qui repart bien. Bref, vous êtes arrivés au bout de la vidéo. J'espère que les marchés vont pas fermer. Sinon, je vais être obligé de plus faire de vidéos à part celle du week-end, l'analyse graphique que je continuerai. Sur ce, je prie pour que les marchés restent ouverts. Je prie pour que vous gagniez de l'argent et que vous en sortez dans la vie. Sur ce, ciao, ciao!